Avertissement, ce programme comporte des scènes et un langage choquant pouvant ne pas convenir à un jeune public. Messieurs, bonjour. Donc, on est reparti pour une nouvelle patrouille secteur Paléto ce soir. Donc, plusieurs unités affectées secteur Paléto. Les unités SHP, vous irez plutôt sur la Greta Sunway. Vous ferez du contrôle renforcé, contrôle de vitesse. Donc, je vais envoyer Ben, donc 2837 en SHP, sur la Greta Sunway en direction du nord. Donc, vous pouvez prendre votre service si vous n'avez pas de questions, unité SHP. Monsieur, bonne patrouille. Bon courage. De même pour l'unité Mesa King 49, Xandia, vous pouvez prendre votre service. Par contre, vous allez aller en direction du sud pour les contrôles sur la Greta Sunway. Vous prenez tous les contrevenants donc venant du sud. Hein. Bien pris, superviseur. Allez, bon courage. Donc ensuite, on a 3 unités Lincoln, enfin 4 en me comptant évidemment. Donc on a Big 6 Lincoln 12, Lirad 6 Lincoln 92 et Kiss en... 6 Lincoln 40, c'est moi, donc 6 Lincoln 87, superviseur de terrain. Bonne soirée les gars, et bonne patrouille. Merci, bonne soirée. De 6 Lincoln 87 pour centrale. À l'écoute, 6 L 87. C'est pour une prise de service. 27 37 pour dispatch. Transmettez. Pour une prise de service terminée. 6 L 40 pour dispatch, prise de service. 6 Lincoln 12 pour dispatch, prise de service pour ma part. Ouais, bien reçu. De dispatch, motard signalé à vive allure dans l'abattoir sur Great Ocean Highway. De 6 Lincoln 87, bien reçu. Je me rends sur place, demande assistance de Mesa King 49 et de 2837 sur position. Ouais, Mesa King 49, c'est bien pris, je réponds à l'appel, en code 3. 2837, je réponds en code 3 également. Ouais, 10-4 pour les unités, rendez-vous à proximité de la Greta Sunway, non loin de l'abattoir. Enfin, même dans l'abattoir, on aurait donc un véhicule motorisé qui ferait un petit peu n'importe quoi à l'intérieur. Ah, 6 Lincoln 87 pour centrale, je viens d'arriver sur position donc au niveau de l'abattoir. Deux unités SHP sur position également, en rencontre. Et on vous tient informé, terminé. 10-4 de dispatch à 6L87. Aux unités SHP, laissez les véhicules à proximité de la Greta Sunway. Et on va rentrer dans l'abattoir. Bien pris, superviseur. Venez à proximité de l'entrée. Hein, y a une espèce de porte de garage, on peut rentrer facilement par là. Rebonjour. Rebonjour. Ok. Éventuellement, Mesa King 49, je vais vous envoyer peut-être à l'opposé, c'est ce que vous vouliez peut-être faire, non? Ouais, je voulais faire le tour, vérifier s'il y avait un véhicule qui traînait derrière. Ouais, d'accord. Vous avez vu quelque chose ou pas? Négatif. D'accord. Vous allez rester à l'extérieur, comme ça, s'il y a un véhicule qui sort, parce que je crois qu'il y a une entrée par l'arrière. Et une entrée par devant, donc vous allez rester à proximité de votre véhicule et vous nous tenez informé si vous avez un individu qui prend la fuite, ok? Ouais, bien pris. Hein. On pénètre dans le bâtiment avec le collègue. On est parti, Ben? Pas de problème. 6 Lincoln 87 à centrale, donc on va effectuer une levée de doute à l'intérieur de l'abattoir. On vous tient informé. Hein. Bien pris pour dispatch. Unité dans le secteur, restez dans les alentours, on sait jamais, on peut peut-être avoir besoin de votre aide. Bien reçu. Bon, on prend le taser, Ben, on sait jamais quand même. Shérif de Blaine County, répondez s'il y a quelqu'un. Monsieur, vous êtes localisé à quel endroit exactement? On est à l'entrée de l'abattoir. Venez vite, j'ai mal. Vous êtes où, monsieur? Attention, Ok, c'est bon, sur la droite, y'a rien. Monsieur, vous m'entendez? S'il vous plaît. Ok, monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai glissé. Vous avez glissé? Pourquoi vous êtes en moto ici, monsieur, dans l'abattoir? Parce que j'ai pas mes lunettes.
D'accord, de 6 Lincoln 87 pour dispatch. Bah, j'aurais besoin d'une ambulance rapidement là sur position. Donc dans l'abattoir, on a un individu visiblement qui était avec une moto. Il a chuté et il est dans une caisse de poulet, donc il semble blessé. Vous avez mal où, monsieur? J'ai mal à la jambe, j'ai mal à la jambe. Bien reçu, médico départ. D'accord, t'as une trousse de secours, premier soin dans ton véhicule, Ben? Ouais, je vais voir ça. J'ai... Va chercher vite ça, on va effectuer les premiers soins en attendant les paramédics. Vous avez mal où, monsieur, à la jambe? Ouais, j'ai mal à la jambe là. D'accord, ok. Attention, la moto, elle est fragile. Sur une échelle de 10, monsieur, si j'appuie là, ça vous fait mal. Ah, d'accord, ça vous fait mal sur combien, monsieur? 8 sur 10? 12. D'accord, oula, vous avez probablement une fracture alors, monsieur. Bougez pas, on va rester comme ça. Ouais. Mais j'en ai partout, là j'ai du poulet sur moi, là c'est dégueulasse. Vous inquiétez pas, les paramédics sont en route, ça va le faire. Je vais réitérer ma question, monsieur, si vous pouvez me répondre. Qu'est-ce que vous faisiez ici avec ce genre de véhicule dans une abattoir? Vous êtes au courant que vous pouvez pas circuler ici? Je savais pas que j'étais dans l'abattoir, j'ai pas mes lunettes, je les ai oubliées chez moi. D'accord. De 6 Lincoln 87 à Medic 01, est-ce que vous me recevez? Ici Medic 01, je vous reçois. Ok, on vous attend, donc on est localisé dans l'abattoir, vers le milieu de l'abattoir. On a un individu visiblement qui se plaint de douleur à la jambe. On effectue les premiers soins, qu'est-ce que vous nous recommandez? Vérifiez déjà s'il n'y a pas de saignement, je serai sur place d'ici 2 minutes après. Ouais, 10-4, on effectue ça. C'est du sens parce qu'il manque de la benne. Messieurs les EMS, garez-vous devant moi, vous pouvez vous mettre directement en marche arrière au niveau de l'entrée, ils sont à l'intérieur. Bien monsieur, pas de soucis. Mais ils ont dû laisser une tache de sang par terre, hein. j'ai sacrément glissé quoi. Bah, de toute façon, comme je vous disais, vous avez pas à circuler ici, donc malheureusement ce qui vous est arrivé monsieur, c'est purement de votre faute, hein. C'est pas de la faute d'une tache de sang, donc faut pas non plus commencer si, à... Si j'ai glissé, c'est la faute de la tache de sang, hein. J'aurais pas glissé sinon. Vous avez une identité, monsieur? Un nom et prénom? Ouais, je m'appelle Kevin. Kevin Pops. D'accord. Vous pouvez m'appeler votre nom de famille, s'il vous plaît? P-O-P-S. D'accord, merci. Bien. Tu t'en occupes, Ben, s'il te plaît, pour la vérif, je te remercie. Ouais, pas de problème. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, bonjour. Je vous laisse regarder. Il se plaint de douleur à la jambe, donc... extrême douleur, il a un petit peu mal à la tête aussi visiblement, mais ça a l'air superficiel. Donc j'ai maintenu la jambe pour pas que ça bouge et on a mis quelques compresses pour éviter les saignements. Très bien monsieur, bon monsieur. Déjà, bon, je vais vérifier votre tête, c'est le plus important. Ouais. Alors, voyons s'il y a des saignements au niveau du crâne. Ah mais vous avez les mains froides là. Ah oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça hein. 28-37 pour dispatch, faites-moi une justification sur un certain Kevin Pops. Mais Sacking 49, vous pouvez me sortir le véhicule peut-être parce que c'est en train de dégager des fumées de pots d'échappement là, ça nous... Ouais, affirmatif, je m'en occupe. Juste une petite question au propriétaire, monsieur, c'est votre moto? C'est la moto de ma femme. D'accord, elle est pas homologuée cette moto hein? J'en sais rien, elle est à ma femme. C'est pas, il est pas plaqué donc c'est pour faire dans son terrain privé ça monsieur. Ah, j'avais une course à faire, c'était assez urgent, alors du coup... Bon bah monsieur, sachez que cette moto, elle va être saisie. Hein. Oh non, ma femme, elle va me tuer, là, monsieur. Bon, c'est pas le sujet, monsieur, votre moto, elle est saisie, là, pour l'instant. Vous êtes blessé, les paramédics vont vous prendre en charge. Votre moto, on va la sortir d'ici, parce qu'elle peut pas rester là, d'accord? Bon bah, Médic, ma mission non. S'arrête là. Je vous laisse avec les unités... SHP, si vous avez besoin d'un convoi jusqu'à l'hôpital. Pas de soucis, monsieur. Vous avez d'autres questions pour moi? Je vais me charger du monsieur. Bon, après, je vais le stabiliser. Il a l'air assez stable quand même, malgré la douleur. D'accord. Je vais m'en occuper. Et après, bon, je pense pas qu'il ait besoin d'un transport prioritaire. D'accord. Donc, très bien. Voilà. Après, si vous avez besoin de le voir, il sera au niveau du poste paramédic à entrée David. Ça marche, mais de toute façon... J'ai la jambe fracturée, c'est pas prioritaire, peut-être? Les unités SHP vont prendre le relais et elles me feront un rapport. Et puis... on convoquera si besoin au poste. Très bien, monsieur. Je vous remercie. Bon, ok, parfait. Du coup, comment ça se passe au niveau de la vérif? Donc, ouais, j'ai fait la vérif. L'individu a quelques infractions au code de la route et il a un port de lunettes obligatoire.
D'accord, super. Vous l'interrogerez un petit peu plus quand il sera maintenu au niveau de sa jambe et tout. Petit rapport, histoire que s'il y a besoin de le convoquer par la suite, qu'on sache, etc. Ouais, ça marche. Suffit. Bon courage, je vous laisse avec les paramédics. Merci à vous aussi. À la prochaine. Bon, monsieur, bougez pas, je vais chercher ce qu'ils font là, Camille. Ça va aller, je vais faire une petite piqûre de morphine. Ah, pas les piqûres. Ici, une code 87 pour centrale. Sur écoute. C'est pour une reprise de service. Enfin, monsieur, vous plaignez de douleur, monsieur. Si vous me faites piqûre, vous voulez qu'on passe comment? 10-4 de dispatch. Il va falloir que ça passe un petit peu quand même. Je vous laisse avec les paramédics du coup. Oui, on va s'occuper d'eux, vous inquiétez pas, superviseur. Si besoin d'un transfert vers l'hôpital, vous l'escortez, enfin vous savez ce que vous avez à faire. Oui, il n'y a pas de souci. Bonne journée, bon courage. À vous aussi. Merci. .28-37 pour dispatch, c'est bien aussi, je m'en sors pas 5 code 2. Dégage de là, toi! C'est ma voiture! Vous avez tué le monsieur, posez ça, s'il vous plaît! Ouais, je vais le ranger dans ma voiture, attends. Je sortais du véhicule, s'il vous plaît. Monsieur! 6 Lincoln 87 à 2837, rendez compte, s'il vous plaît. Demande de renfort, l'individu a pris un délai de fuite, donc direction S sur Paletto Boulevard, donc un véhicule de type sportif de couleur noire. 10-4, à toutes les unités disponibles dans le secteur, donc rendez-vous sur place en code 3, on a un refus d'obtempérer engageant un délit de fuite. Répondez. De 6 Lincoln 12, je me rends sur place. 10-4, 6 Lincoln 12, position actuelle 28-49. On est sur Cascavel Avenue, direction S, l'individu vient de prendre à droite sur Paletto Boulevard. 10-4. Mais Sacking 49 pour 28-37, donnez une description du véhicule. Un ancien véhicule de type sportif de couleur noire, cabriolet. 640 à dispatch, seconde sur poursuite. Le 6L 92 également. L'individu arrive sur moi sur le gratos. Ouais, à 10-4, je rejoins également la poursuite. Hein. 6L 37, l'individu est sur le gratos highway direction nord, il met tous les feux rouges, il prend tous les risques. 5 sur 5. Il veut pas de troll, King Mesa 49, barrage en amont. Il veut pas de troll, arrêtez-vous. Julien de prendre à gauche. Prendre dans le chantier. L'individu vient de prendre assaut, il est probablement derrière la boutique de vêtements. Ouais, 10-4. Individu armé, PA. Ok, coup de feu, 6L 87, on essuie des tirs. Besoin de renfort à toutes les unités disponibles dans le secteur, secteur Paletto. De 6 Lincoln 12, j'ai abattu le suspect. Ouais, bien reçu. De 6L 87 pour Central, donc c'est pour vous informer que l'individu a été neutralisé par des unités à proximité. Il était à bord d'un véhicule Buchaner. Je vais demander une vérif de plaque au fichier. Donc 29 William Paul Charles 088. Et puis en attente peut-être pour une vérif d'identité. Hein. Reçu, j'effectue une recherche. Vous avez retrouvé des pièces d'identité, les gars, sur lui peut-être ou Je viens de fouiller le véhicule. J'ai trouvé un fusil à pompe, rien d'autre à signaler. D'accord. J'ai pas encore ouvert le coffre, je vais m'en occuper. Ça marche. Le pistolet, vous l'avez récupéré, King 49? Ah, négatif, c'est pas moi qui ai fait la neutralisation. Non, c'est moi qui l'ai récupéré, c'est un blague. D'accord, super. Vous le ramenez au bureau des saisies, s'il vous plaît? Affirmatif. Mais ça, King 49 pour dispatch, c'est pour une vérification de plaque d'un véhicule de couleur violet, purple. Immatriculation 29 Whisky Papa Charlie 088, à vous. Ouais, de dispatch, je suis encore en recherche. Reçu. Ouais, 6L 87, c'est pour vous annoncer un code 4 concernant l'intervention, reprise de service, secteur Paletto, hein, terminé. De 6 Lincoln 12 pour dispatch.
J'ai un individu se trouvant sur Cassabel Avenue qui prend des photos depuis l'extérieur d'une maison sur l'intérieur d'une maison. Ouais, 10-4, besoin de renfort si c'est le. Si c'est le 12. Ouais. Ouais, affirmatif. Répétez votre position, s'il vous plaît. Donc je me trouve sur Cassabel Avenue, j'attends, je vous attends avant d'intervenir. En direction du sud ou du nord? Du nord. Ouais, 10-4, j'arrive sur votre position. Il est à l'hôtel de South Seat. Comment? Il est à l'hôtel de South Seat. L'hôtel, d'accord, 10-4. De 6L87, donc enregistrement en route en code 2 avec lumière sur la position de 6 Lincoln 12. Je vous tiens informé une fois sur position. Bien reçu, 6L87, c'est noté. De 6 Lincoln 12 à 87, je me suis garé à côté de la banque en. Monsieur Gare. Ouais, bien reçu, j'arrive sur votre position. Environ dans 2 minutes. 10-4. Donc regardez, la personne se trouve là, elle prend des photos depuis tout à l'heure, ça fait deux minutes que je suis là. D'accord, c'est le mec, ouais d'accord, c'est un voyeur. Exactement. Quoi. Il doit photographier des personnes. C'est ça. De 6L87, on aura besoin d'une unité additionnelle éventuellement sur position, donc on est au niveau de la banque de Paletto, on est sur le parking. On a visiblement un individu un peu suspect qui prendrait des photos de l'intérieur de l'hôtel, des appartements, en attente. De 6L92, je suis déjà à proximité, hein, je me rapproche. Ouais, 10-4. Aux unités disponibles face à la banque, rendez-vous sur la position de 6L87. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Hop là. Bureau du shérif, bonjour. Et bonjour. Vous faites quoi ici? Bonjour, vous faites quoi ici? Alors, monsieur, à prendre des photos Moi, des photos? Non. C'est chez vous là, monsieur? Pourquoi vous avez jeté l'appareil sur le balcon, monsieur là? Regardez, il est là, votre appareil. Pourquoi vous faites ça? C'est pas mon appareil, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah ouais, d'accord. Bon, vous êtes au courant, non, monsieur, qu'on vous observe depuis quelques minutes là-bas sur le parking en face. Regardez, il y a nos véhicules. Non? Ah ouais, non. Ouais, non. Mais c'était pas moi. C'était pas vous? Non. Ok. Vous faites quoi alors, monsieur, ici? Vous voulez me le dire ou vous voulez continuer de me prendre pour un imbécile? Bon, moi, de me balade, en fait, de j'admire la faune sauvage. D'accord. Et c'est en prenant les photos de l'intérieur des appartements que vous... Regardez la faune sauvage, je crois qu'on parle pas de la même faune sauvage, vous et moi. D'accord. Donc, vous avez vos documents d'identité, monsieur, s'il vous plaît, sur vous? Oui. Très bien, vous les donnez à mon collègue? Donnez-les-moi, monsieur. Vous avez une carte professionnelle, monsieur, pour prendre des photos comme ça, ou c'est simplement pour votre plaisir? Ah non, c'est pour mon plaisir. D'accord, je vois. Ah ouais, ok. Et puis je suis pas sûr qu'il y ait de carte professionnelle pour prendre des photos de l'intérieur de chez les gens. Ouais, collègue, tu peux prendre l'appareil sur le balcon là-bas, il a acheté quand on est arrivé, tu vérifies le contenu des photos. Ouais, ça marche, je vois ça. Merci. De 6 Lincoln 12 pour dispatch. À l'écoute, 6L 12. Il me faudrait une vérification pour une personne nommée Tian Yang. Reçu, restez en attente. Ouais, effectivement, ouais. Je regarde ça. Ça marche, merci. Bon, monsieur, vous inquiétez pas, hein, il va rien vous arriver. Du moment que vous êtes honnête avec nous, on sera honnête avec vous, il se passera rien, d'accord? Donc dites-moi précisément ce que vous étiez en train de faire, si vous étiez en train de photographier une personne à l'intérieur, ou je sais pas, parce que depuis tout à l'heure, vous nous baladez un peu à droite à gauche, et je sais pas exactement pourquoi vous preniez l'intérieur de l'appartement. Bah, il y a une jolie fille à l'intérieur. Là, ouais. D'accord, ok. Ah, donc, jolie fille, donc c'est pour ça, vous preniez une femme qui était nue, monsieur. Ouais, donc il a deux charges à son actif. Il est vous. D'accord. Mais trouble à l'ordre public et agression sexuelle. D'accord, il a une fiche de recherche? Négatif. D'accord. Je peux garder les photos? Non, monsieur, vous allez pas pouvoir garder les photos. Pourquoi? D'accord. C'était mes meilleures photos de moi, là. Au vu de vos condamnations, monsieur, vous ne devriez même pas être là à faire ça, ok? Bon, que ça donne quoi sur l'appareil?
Ah bah écoute, je suis encore en train de regarder, mais comment ils prenaient les photos de l'intérieur de l'appartement. D'accord, ça marche. Ok. Et vous comptiez en faire quoi, monsieur, de ces images? Ah bah au moins, c'est pour moi, hein. C'est des accroches dans ma tombe. Comment? Les accroches dans ma tombe. D'accord, ça marche. Après, dans les plans dans ma tombe, moi, des connectons. Ça marche. Mettez-vous contre le... Ouais. Ouais, donc c'est des photos de l'intérieur de l'appartement. Effectivement, il y a des photos de personnes, hein, donc complètement interdit. Hein. D'accord. Allez, monsieur, vous mettez contre le balcon, s'il vous plaît. Contre la barre du balcon. Ah oui, contre le balcon, oui, c'est bien, oui. Contre la barre du balcon. Oui, vas-y, c'est très bien, comme ça, pour encore regarder à l'intérieur. Collègue, je t'en prie. Ah, c'est bien platé, là. L'interpeller. C'est bien. Vous voulez que je le fasse, superviseur? Ouais, allez-y. Ah, je me note. Ouais, elle est mignonne, en plus, hein. Bougez pas, monsieur, je vous me note. Ah, je vais pas bouger, donc. Elle est mignonne, hein. Dis donc. Oui, non, mais vous arrêtez, monsieur. Bah, c'est pas arrêté, je suis en face du balcon. Et puis, quel balcon? Attends, bouge pas, collègue. Je vais lui mettre. Voilà, parfait, nickel. Ok, vous avez des objets tranchants ou illégaux, monsieur, non, sur vous? Non, de rien bon, tout. Très bien. Mon collègue va effectuer une palpation. Dégage-le du balcon parce qu'il arrête pas de regarder depuis tout à l'heure. Venez par là, monsieur. Allez. Ah, mignonne, hein. Non, restez là, moi. Monsieur, s'il vous plaît. Allez. Non, allez, reste là, moi. Non, décalez-vous. Hop, excusez-moi, décalez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Violence policière, là. Vous mettez pas face au balcon, allez en face sur le parking, on va aller près des véhicules. Je vous prends par les menottes là, venez par là. Parce que ici monsieur, c'est pas intéressant. Suivez mon collègue, s'il vous plaît. Vous arrêtez de regarder par les fenêtres, ok? On va faire attention à la circulation. Bah, j'aime bien les fenêtres, moi. C'est joli les fenêtres. Oui, c'est joli les fenêtres, mais par contre, vous avez pas regardé l'intérieur, d'accord? Ça fait partie de la vie privée de la personne. Bah non, elle a les fenêtres ouvertes. Vous n'avez pas à voir l'intérieur, monsieur. C'est interdit ce que vous faites. De plus, vous prenez des photos, on sait pas ce que vous allez en faire après derrière. Vous êtes au courant qu'il y a le droit à l'image? Si elle ouvre le rideau, c'est pour qu'on garde. Là, monsieur, par conséquent, vous allez vous pénétrer dans sa vie privée, d'accord? Vous n'avez pas à le faire. Ok? C'est interdit ce que vous faites, monsieur. Je vous préviens. Ça va vous coûter cher ce que vous avez fait. Vous avez déjà été condamné, monsieur? Il me semble. Si on veut pas, vous avez le droit de répondre. Non, mais oui, il était condamné, oui. Mmh, bon, il reste des problèmes. Des problèmes. Ok, ça marche. Et vous avez déjà vu un psy pour ça, monsieur, ou pas? Ah non, pas de psy, moi, pas intéressé. Bah, c'est pas une question de pas être intéressé ou intéressé, c'est juste que vous êtes au courant que vous avez des problèmes quand même, monsieur. Il faut peut-être les résoudre à un moment donné, sinon vous allez pas arrêter de vous faire interpeller, hein. Bah, je les résous, moi, regarde par les fenêtres. Ouais, non, mais là, vous êtes dans la source du problème, monsieur. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va peut-être falloir voir à ce que ça change. Vous voulez pas voir un psy, monsieur, une fois au poste? Ouais, pas envie de tomber, moi. Vous êtes sûr? Vous voulez pas voir un psy? On a des psys au poste, vous pourrez discuter avec eux. Ouais, tu es sûr. Non, pas envie de tomber, moi. Ne veux pas tomber. Ok, j'insiste pas, ça va. Allez, je vous mets dans mon véhicule, monsieur, je vous prends par les mains, venez par ici, s'il vous plaît. Non, par ici, monsieur, par ici. Suivez mon collègue, monsieur. Venez par là. Allez-y, montez, attention à la tête. Aïe. Bon, monsieur, on vous place en état d'arrestation, d'accord? Donc tout ce que vous pouvez dire pour être retenu contre vous, vous avez droit à l'assistance d'un avocat présent lors de votre audition. Si vous n'avez pas les moyens de vous en commettre un, vous sera commis d'office, monsieur. Vous avez compris les droits que je viens de vous citer? Oui, j'ai compris. D'accord, vous avez un avocat? Non, pas d'avocat, moi. D'accord. Vous avez le droit à un coup de fil une fois au poste si vous avez un membre de votre famille que vous souhaitez avoir présent pendant l'audition. J'ai une question? Oui. Vous allez repasser devant la fenêtre? Non, on va pas repasser devant la fenêtre, monsieur. Allez! C'est interdit ce que vous faites, d'accord? Mais je veux voir à travers la fenêtre, moi. On en discutera au poste, d'accord? Il y a des filles? On verra ça, monsieur. Allez. Monsieur, j'ai une dernière petite question pour vous. Oui. Est-ce que vous êtes venu à pied ou vous êtes venu en véhicule? Non, moi c'est venu en voiture. Quel est votre véhicule? Et elle est garée là, votre voiture? C'est le 4x4? Ouais. Le noir, c'est bien ça, hein? Ouais. Ok, merci bien, je vais procéder à une vérification. Ouais, ça marche, je te rejoins. 6 Lincoln 92, merci pour le renfort. Vous récupérez l'appareil, s'il vous plaît?
Ouais, affirmatif, je l'amène au, pour récupérer, je l'amène au commissariat. Merci. Non, non, monsieur, pour l'instant, on va vérifier le contenu. Hein. Vous le récupérez quand on aura vérifié le contenu, d'accord? Ah oui, moi, les photos, hein, m'en fout de l'appareil. C'est celui-là, monsieur, votre véhicule? Oui, oui. D'accord. Bon, bougez pas. Vous n'avez pas passé assez près de la fenêtre, là, j'ai pas pu voir. On fait une vérif de plaque. Je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas des trucs. Hein. Ouais, bien reçu. Donc de 6 Lincoln 12 à dispatch. Transmettez 6 L12. Il me faudrait une vérification pour une plaque 8-1 Queen Tom Frank 2-3-1. 10-4, standby. Bon, il y a des photos nues sur le siège passager, donc on va pas pouvoir laisser le véhicule ici. Hein. D'accord. On va le saisir. Donc de 6 Lincoln 12 pour dispatch, il nous faudrait aussi une dépanneuse sur Caspel Avenue au motel. Reçu et rien à signaler pour le véhicule. Bon, du coup, Tian Yang, on a vérifié, le mec a été condamné pour acte sexuel et tout, donc bon, je pense que... Ouais, d'accord, je pense que le véhicule est bien à lui, hein, mais il n'y a rien à signaler à propos du véhicule. Ouais, super. Bon, bah, attends la dépanneuse, tu le fais saisir, et pareil, tu le fais ramener au poste, et il faudra l'ouvrir pour qu'on regarde s'il n'y a pas plus de photos ou de trucs comme ça, ou de trucs qu'on pourrait trouver. Je vais lui demander, d'ailleurs, je vais lui poser une question, quelques questions pour savoir. Bon, d'accord, c'est bien reçu. Je te remercie. Monsieur ? Oui, désolé, j'étais occupé là. Oui. Dans le véhicule, il y a des choses qu'on pourrait trouver illégales ou quoi que ce soit ou pas ? Non, du tout, non. Comme d'accord. Que les photos. D'accord, donc les photos là, elles sont sur le siège passager, on trouvera que ça dans le véhicule. Hein. Oui. Ok, compris. Et je vais les garder les photos. Hein. On verra ça, monsieur, on va en route pour le poste pour l'instant et on verra ça une fois au poste, c'est compris ? D'accord. Si c'est le 87 pour Central, en route vers le poste, 10-15 en cours, donc pour un individu terminé. 10-4, si c'est le 87. Ah, de si c'est le 92, je viens de déposer l'appareil photo à la Sheriff Station. Bien reçu, je reprends ma patrouille. Bien reçu, si c'est le 92.